C'est vrai? Ouais. Mais la malédiction de ta famille. Ne serait pas être comparé
c'est bon, s'il te plaît. 1 Pierre 4, versets 12 à 13. Je parle de ce frère comme étant l'enfant. Je dis la parole du Seigneur. Amen. Grâce à Dieu. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui s'est mise parmi vous pour vous éprouver. Oui, tu ne lis pas à toi, mais tu lis à l'église. Alléluia, il faut qu'ils comprennent ça. Je parle des épreuves. Je parle des fois. Alléluia. Amen. La Bible est un livre de puissance que Dieu envoie les fois comme des messagers. Hein? Alléluia. Lorsque tu traverses les vents, sache que ces vents-là, dans ces vents-là, il y a le message de Dieu. Je parle de ces prêtres. Amen. Mais bien-aimés, oui. Oui, mais bien-aimés. Mais bien-aimés. Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Non, ne vous étonnez pas. Lorsque les épreuves vous arrivent, ne soyez pas surpris. Il y a des gens qui se posent des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh Dieu, notre Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais la Bible dit, ne soyez pas surpris. C'est une chose qui doit nous arriver. Alléluia. Amen. Lorsque tu attends une lettre, tu sais que tu attends une lettre. Lorsque la lettre vient, tu ne seras pas surpris parce que tu l'attendais. C'est comme les épreuves. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Oui. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Amen. Tu lui prie, alléluia. Alléluia. Parle, répare le verset 13. Est-ce que la Bible, c'est un ordre? Lorsque les épreuves t'arrivent, tu n'as qu'une chose à faire, c'est d'organiser une fête. Amen. Jamais moi, je ne suis pas contre cela. J'ai déjà assisté à la fête de l'anniversaire d'un bébé ou d'un garçon. J'ai déjà assisté à des fêtes de mariage. Mais maintenant, j'ai besoin d'assister à une fête où une personne traverse les bras. Révélation. Amen. Oui, oui. Si tu organises une fête par laquelle tu traverses les épreuves, moi je viendrai les premiers. La bonne invitation, je vais y assister et je t'apporterai les cadeaux. Parce que la Bible dit, réjouissez-vous. Achète les cadeaux de malheur, mon Dieu. L'homme qui vous prêche là, alléluia, il est en train de fêter.
J'ai envie d'aller, j'ai envie de rester. Parce qu'il y a pas de choses auxquelles la porte devait accomplir. Est-ce que tu peux dire que non, tu ne mourras pas? Tu ne mourras pas. Allez, disons qu'on peut te compter Joseph. Après les comptes, il a tiré du bruit. Il dit, bon non, va, va dans les, va dans les. Viens frère, je vais expliquer des choses. Va, va dans les. Normalement, vous savez, Dieu sait arranger les choses. Hein? Les Madianites, normalement, au lieu qu'ils le mangent à Madia, les Madianites, alléluia, auquel on a vendu Joseph, partez en Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, là, alléluia. Amen. Ils ont fait sortir du trou. Ils ont confié aux Madianites pour que les Madianites, alléluia, la mer est dans les liens de la. Amen. Listen.